Oh, that's... Mama, mom. A priori, il y a même des petites boutiques qui resteront fermées, puis de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Ah oui, tout à l'heure on a vu. Hop. Mais c'est pareil, ça doit être fermé avec les restrictions. Bon bah ça y est. On a embarqué. C'est bientôt l'heure du départ. Il y avait un grand ciel bleu tout à l'heure et maintenant il y a un temps tout pourri. Il sort un couteau. Le mec a l'air blasé quand même. Arrache pas le bateau. Arrache le bateau. Pourquoi tu veux qu'il nous escorte? Hop, petite présentation. Coucou. J'étais en train de ranger. Stress, après j'ai eu la bonne idée de leur donner leur croquette avant de partir.
en pensant bien faire pour pas qu'ils aient faim et j'aurais jamais dû. Du coup, en fait, on vient les promener ici. Heureusement, vu que c'est une période super calme, il n'y a personne, je me sentirais super mal à l'aise de faire des besoins aux chiens. Mais bon, voilà. Du coup, en fait, il y a un petit carré là. Mais clairement, ils y vont pas. Du coup, on ramasse et on nettoie, même si je sais que d'habitude, ils font sur le pont les animaux. Et c'est... Voilà. Allez, à plus tard. Ils sont bloqués. Attends-moi là. Ah non, ça y est. La petite salle de bain. Hop. Toute simple. Mais c'est intéressant de savoir qu'on peut en avoir peut-être pour des longs trajets. C'est vrai que c'est agréable. Si c'est réel, il mangera pas. Wow. Allez, le café, ça c'est fait. Et mon café. C'est beau. Un gros loulou là. Ta veste. Tire tes chaussures si tu te mets debout. Sors l'autre chaussure. Il n'y a pas beaucoup de monde. Un peu tard en même temps. Pourquoi t'as pas fait recharger? Parce que je m'en sers pas, alors je pense que j'ai de la batterie, mais je sais pas, j'ai pas de batterie. Téléphone pourri. Ah, pêcher des poissons, nous, hein? Ouais. On va m'aider à pêcher. Pêcher? À pêche? On pêchera des poissons? Là? Loulou? Oui. Là? Pas là exactement, non. Vas-y, va chercher le camion. Oui, là, Bobo. Hein? Oh. Une petite vue de jour, parce qu'au final, il y a même une piscine qui doit être ouverte l'été. C'est une drôle d'idée de mettre une piscine sur un bateau, mais bon, ça doit être rigolo comme c'est blindé. Mani et monsieur qui rembobine les cordes, on va bientôt arriver. Hop. On va chercher papa. Et voilà, on arrive doucement au Péloponnèse. On avait pris ici, vous voyez le petit pont, enfin le petit pont, c'est un pont qui relie en fait la partie terrestre du Péloponnèse. Il y a soit par ce pont, soit sinon après il faut faire le détour jusqu'à Athènes.
Pour rentrer au Péloponnèse, ce pont est relativement cher. C'est pour ça qu'on a préféré arriver directement ici plutôt que dans le nord de la Grèce. Et comme ça, on peut directement être au Péloponnèse. On va retrouver le camion, nous. Oui. Pourquoi ça ne dit rien, une caravane? Je crois qu'il y a des gens partout qui cherchent leur véhicule, c'est trop drôle. Ah, mais c'est qui, là? Retrouve la maison. Mais c'est un petit. Hein. Le parc du petit peu, c'est même pas un double étage. Tu as vu la taille du parc du petit peu. Double étage toi-même. Over there to scan the BLF. Okay, over there. Are you scanning?
Parce que t'es tout mouillé. Hey, bronze, petit bébé, bronze. C'est tout bon. Papa, il a pas tout. Alors, on va voir. Comment elles vont ressortir? Non, elle n'a pas faim, ça va. Ah bon, d'accord.